Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Gascali. Pour cette fois-ci, je voudrais vous partager cette petite recette de brioche faite maison qui n'est pas forcément une recette malgache mais qu'on en trouve aussi à Madagascar. Et je le partage avec vous. Pour à peu près 14 brioches donc, nous allons avoir besoin de 500 g de farine de blé de tout usage. Nous allons avoir besoin aussi de 130 g de beurre mou, 110 g de sucre, une cuillère à café de sel, un sachet de levure boulangère, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs, 20 centilitres de lait et un verre doseur pour mesurer tout ça. Et c'est parti pour la préparation, on y va. Commençons par mettre dans du lait tiède la levure boulangère pour actionner la levure pendant à peu près 4 minutes. Et à côté, on va mélanger tous les ingrédients secs, le sel, la farine, le sucre, et on rajoute par la suite les 2 œufs. Et on rajoute aussi la levure. Tout bien mélangé. Et n'hésitez pas à le pétrir à la main. C'est mieux, bien sûr, si vous avez un robot. Le mien m'a lâché. Et on va rajouter le beurre mou. Et on continue à pétrir tout ça pendant à peu près 4 minutes. On va laisser se reposer notre pâte pendant à peu près 4 heures donc. Si vous faites votre préparation le soir, vous pouvez le laisser se reposer toute la nuit à un endroit à température ambiante. Voilà notre pâte, voilà le résultat. Notre pâte a bien gonflé, mettez un peu de farine par-dessus pour éviter que ça colle. Et on va venir le dégazer comme ceci. On va le décoller complètement de notre bol. Mettez un peu de farine sur le plan de travail et on va venir travailler un petit peu notre pâte sur le plan de travail. On va l'étaler comme ceci, de cette manière-là. Voilà, rajoutez un peu de farine. Et on va faire un premier pli, comme ceci, une deuxième pli, et on se retrouve avec un gros boudin. Et on va faire donc des petites parts, on rabat les extrémités vers l'intérieur, comme ceci, pour faire les boules. On le tourne comme ceci sur le creux de la main, comme ceci, pour former la parfaite boule. Et on recommence. On rabat les extrémités pour former une jolie boule et on tourne dans le creux de la main, comme ceci. N'hésitez pas à mettre un peu de farine sur le plan de travail pour pas que ça colle ou déposez-les directement sur une feuille de cuisson. On continue. Et là, j'ai préparé un moule beurré, fariné. J'ai même rajouté une feuille de cuisson par-dessus pour pas que ça colle. Et on met nos boules comme ceci à l'intérieur. Bien mettre des distances entre elles car ça va encore augmenter de volume avant que ça part en cuisson.
et on les laisse encore se reposer pendant à peu près 30 minutes. Là, j'ai un jaune d'œuf avec un peu de lait pour la dorure et on va l'appliquer sur nos boules qui ont encore pris du volume. On l'applique à l'aide d'un pinceau comme ceci. Voilà. Et on passe au cuisson à 170 degrés pour à peu près 20 à 25 minutes. Faudra surveiller. Ça dépend de votre four, bien évidemment. Et mettez à la fin du cuisson un papier de cuisson pour pas brûler le dessus. Et voilà, nos brioches faites maison finies, prêtes à être dégustées. Très tendre, très succulent. J'espère que cette petite recette vous a plu, les amis. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire si vous avez des questions. Merci encore du visionnage. Milumo.